Le président de Barcelone, Juan Laporta, a clairement exprimé le désir des Blaugrana de continuer à faire partie du projet Super League européenne. Après les propos de son président, le club a publié une déclaration allant dans la même direction. Il ne reste plus que trois des clubs fondateurs, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus Turin, après que neuf d'entre eux aient choisi d'abandonner. À la suite des prestations des fans et, dans le cas des clubs anglais, d'une pression accrue du gouvernement britannique. Néanmoins, Barcelone reste convaincu que la Super League est la voie à suivre. La déclaration du FC Barcelone est la suivante. 1. Le FC Barcelone partage le point de vue de la plupart des grands clubs de football européens et plus encore compte tenu des climats socio-économiques actuels, selon lesquels des réformes structurelles sont nécessaires pour garantir la viabilité financière et la faisabilité du football mondial, en améliorant le produit qui est offert aux fans du monde entier et en consolidant et même en augmentant la base des fans sur laquelle ce sport est soutenu, qui est son pilier et sa plus grande force. Afrique Sport lance son application, elle est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel. De Salah à Mané, de Mahrez à Aubameyang, de la Prime League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube, la matinale d'Afrique Sport, les infos mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport, votre ami de tous les jours.